Ah, y a rien qui a changé en fait. Non. Aujourd'hui, je viens dans ce collège préparer les retrouvailles entre camarades de collège avec ma sœur, 25 ans après. Bonjour. Bonjour, Madame Prévost. Jérôme Fifféro. Bonjour, ma sœur. Enchantée. Ce projet peut se réaliser grâce à Madame Prévost, proviseur du collège, qui nous ouvre les portes de notre ancien collège le week-end de juin. Donc, voici le bâtiment, donc le hall, vous avez vu, on l'a repeint. Ah, mais alors, ouais, tout a été rénové, refait. Enfin, moi, je ne reconnais plus. Pour moi, c'est assez important de préparer cet événement ici. J'y ai passé la meilleure partie de ma scolarité. Ça a été des très bons souvenirs. Ouais. Et là, ouais, je me souviens, on se mettait en rang ici, jusqu'à l'entrée. Voilà, t'es toute la classe ici, en attendant que le professeur sorte, nous fasse signe de rentrer. Et puis, pendant ce temps-là, c'est vrai que des fois, on gravait. Pour mettre des petits. Je me demande, c'est pas mon petit M, ça, de la amoureuse de l'époque. C'est fort possible. Dégradation du matériel de l'éducation nationale. Bravo. En venant remarcher sur mes pas d'adolescent, je viens retracer un petit peu mon passé collégien. Wow, ah oui! Les souvenirs! Alors moi, je vais te montrer où j'étais. Alors, je prends mon livre. Vas-y. Et, 2, 3, j'étais ici. J'ai beaucoup de souvenirs avec les camarades, avec les professeurs, les sorties qu'on faisait. Ouais, tu vois, si je ferme les yeux, j'ai tout de suite mes camarades qui sont là, la prof Madame Laudet, là, à son bureau, là, qui est en train de me regarder. Ouais. Je la revois, scruter un petit peu ce qu'on fait. En salle de bio, je retrouve ma prof au tableau, je retrouve les odeurs qu'il pouvait y avoir. Je revois mes copains, copines, les bêtises qu'on faisait, les cours qu'il y avait. Enfin, je revois tout ce qu'il y avait il y a 25 ans. La prof laissait faire un petit peu nos expériences, évidemment en nous montrant un petit peu comment il fallait faire. Mais elle était là quand même à nous surveiller et elle pouvait passer d'un seul coup dans les rangs comme ça, à regarder « Ah, toi, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai que des bons souvenirs, aussi bien avec mes camarades qu'avec les professeurs. J'aimerais bien écrire au tableau. Ah ouais. Ça y est, vous avez fini. Ça y est. Asseyez-vous, tenez, merci, je vous ai préparé des photos. Vous allez me dire si ça vous parle. Je suis émue parce que je retrouve plein de têtes. En même temps, j'ai l'impression que c'était hier et c'est quand même il y a 25 ans. Vous n'avez pas gardé des amis que vous avez continué à voir après? Ben non, justement. Même avant, on n'avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas de téléphone portable, donc on s'est un petit peu tous perdus de vue. D'accord. Je ressens de l'émotion, évidemment, de la nostalgie. J'ai vraiment envie de revoir mes amis de l'époque, parce qu'on a passé des bons moments ensemble, aussi bien dans le collège qu'en dehors du collège. C'est ici que je les ai connus, c'est ici qu'on s'est quittés. Et c'est vrai que pour moi, c'est très important de les retrouver, de les revoir au moins une fois. En fait, vous êtes ému. Oui. Qu'est-ce qui vous émeut ? Le fait de se replonger dans ces années, de refranchir cet établissement. Ouais, les portes de l'établissement. Dans lequel on a étudié, les salles de classe, parce que Madame Prévost, la principale, nous a permis de nous ouvrir 2 salles de classe le jour du tournage. Et vous vous souvenez de là où vous étiez assis ? Non, mais moi, ça me... Oui, dans la salle dans laquelle on est entré, la salle de sciences, je me suis souvenu. Ouais. Incroyable. Mais je sais pas pourquoi, instinctivement, j'ai dit à ma frangine, je vais te montrer où j'étais, c'était là. Le 20 et 21 juin, vous invitez tous vos anciens copains de l'époque à un grand week-end au sein de l'établissement. Alors, ma première chose, j'ai envie de dire, ils sont hyper sympas de vous laisser l'établissement, mais pour faire une grosse fête. Ah oui. Mais ils ont conscience qu'à 40 ans, on fait la fête de façon vachement moins sage qu'à 17 ans. Bien sûr, mais les choses vont être cadrées. D'accord, mais c'est-à-dire... Un minimum. On n'ira pas dans la salle de sciences nat. Non. On n'aura pas libre accès à toutes tout. Les salles de classe. Ouais. On va avoir une zone prédéfinie qu'on a prédéfinie avec la principale. D'accord. Donc ça sera un peu, raisonnable. Ce sera pas open bar. Et alors, depuis que vous êtes lancé dans ce projet, vous l'avez lancé un groupe Facebook, j'imagine.
Oui, j'ai lancé une page Facebook. Et alors, tout de suite, il y a des personnes qui sont venues vers vous en disant « Mais je te reconnais, moi aussi j'étais là-bas, je m'inscris. » C'est allé vite ou pour l'instant, vous êtes tout seul avec votre fête? Non, je vous rassure, je serai pas là sinon. Plaisante. Non, alors en fait, j'ai eu déjà, bon, de par mon compte perso, quelques amis déjà que j'ai pu retrouver. Ouais. L'année dernière, j'avais parlé à une des amies que j'ai pu voir. Je lui avais dit bah, « Ce serait pas mal qu'on se retrouve quand même. » entre copains de l'époque, comme ouais. Un bon vieux temps. Bon voilà, enfin on était, voilà, ça se comptait sur les doigts de la main. On était vraiment 4-5 amis à s'être retrouvés comme ça. On va être à peu près 250. Oh, je veux des photos hein, de tout ça. Hein. Ah, mais il y aura des photos, des vidéos. Ah ouais, des photos, des vidéos. Il y a même une place. Vous pouvez même venir. Hein. Alors nous, bah, je n'étais pas à l'USI, mais ma productrice, si. Donc je vais lui dire de venir. Elle sera là pour partager les cacahuètes. Exactement. Et aller dans la salle de Sciences Nat. on vous a fait une surprise, nous. Ah bon? Ouais. Vous êtes au courant de rien? Ah bah non. Non, parce qu'en général, nous, les surprises, on les travaille. Hein, donc. Mm-hmm. Alors, on a une personne qui va arriver que vous connaissez. Ah. Mais il y a quatre autres personnes qui vont venir avec cette première personne. Vous me suivez? Oui. Super. Que vous ne connaissez pas. D'accord. Mais enfin, surtout, vous les... Enfin, si, vous les connaissez, mais vous ne les avez pas revus. Depuis le collège. D'accord. Donc, et là, vous avez une pression monstrueuse. Parce que ouais, vous vous dites, si je ne les reconnais pas, ça craint. Ah, parce qu'il faut que je les reconnaisse et que j'énumère les prénoms. Bah, en fait, j'ai très envie que vous me fassiez les présentations. Et là, vous dites, the piège. Non, je vais évidemment vous aider. Mais nous aussi, on fait une petite réunion. On s'était donné rendez-vous 25 ans après. Voilà donc 5 de vos copains. Ils arrivent.